Chacun est allé découvrir un plat typique. Abdel, à Sofia, quel est ce plat? À Sofia, on découvre la skrempe shorba. La shorba comme la fameuse shorba qu'on a en Algérie ou au Maroc, qui est faite à base de tomates, de vermicelle, de boulettes d'agneau ou de bœuf. Là, c'est tout le contraire. Elle est faite à base de tripes, alors de veau, de porc, de bœuf, de poulet aussi. Et c'est cuit dans du lait. Alors on met pas mal de. Parce qu'on met de t'as perdu. Non mais attendez, on n'est pas obligé de la boire. On n'est pas obligé de la boire ou de la manger même. Et on regarde, vous allez comprendre. Blago Daria. Bon bah j'attaque la soupe de tripes, la chorba, voilà. En fait c'est chorba comme ce qu'on peut voir en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie. Sauf que tu rajoutes chorba. Tu vois, c'est une chorba qui est chic. Bon, on va mettre un peu de piment, les amis. Voilà. Et un peu d'ail. Souhaitez-moi bonne chance. Bismillah. J'y vais. Super bon. C'est une cuisson qui est cuite un peu à l'étuvée, tu vois, la viande elle est effilochée, ça fond tout seul dans la bouche. Et à mon avis c'est cuit dans du lait, donc tout est blanc. Bon, c'est vraiment bon, c'est épicé, c'est à peine acide, il y a le gouda, il y a le piment aussi qui arrive derrière, et c'est vraiment bon. Non, vraiment les amis, c'est très 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 bon. Alors, Gergada, cette soupe est vraiment incontournable en Bulgarie? Ah oui, elle accompagne chaque fêtard dans sa vie. Puisque... Ah bon, pourquoi? Puisqu'elle débarrasse de la gueule de bois. Après une nuit un peu alcoolisée, il ne faut pas un sevrage trop dur. Donc trop dur. On boit avec... Le trait d'union. En fait, ce n'est pas que les tripes, c'est pas que les tripes et non, ce c'est l'ail. C'est l'ail et le piment. Alors, il n'y a pas de raison que je sois le seul à avoir goûté cette soupe. Hein? Eh bien oui, nous avons pour notre invité la, comment vous dites, la chemke shorba. La chemke shorba. Chemke shorba. Chemke shorba. La chorba. Eh bien, amenons la chorba. Allez, la chorba. Ah. Allez, tout le monde va goûter. Tout le monde va goûter. Non, c'est nécessaire. Voilà. C'est dommage parce que t'étais à deux doigts de gagner, Abdel. Et là, c'est sûr que t'as perdu. Dernière émission. Et c'est vrai. Mais c'est qui? Bon, je vous avoue que même moi, je suis... Non, je veux bien que la Bulgarie gagne, mais pas qu'on m'oblige à boire le shorba. Je t'avoue, moi, non plus, j'ai envie de vomir quand je le vois. Non, mais sinon, vous pensez... Vous savez, non, mais à regarder, c'est pas... Alors, c'est là. Non, mais sinon, si vous voulez dépasser un peu le dégoût, vous pensez à cette soupe qu'on sert dans les restaurants thaillandais, soupe de coco aux crevettes. Mais François, c'est bien. Ça, d'ailleurs, ça passe tout seul. C'est vrai, ça ressemble à ça. Ça passe tout seul. Bah, j'y pense aux crevettes et... Ça vient pas. On est quand même assez loin. C'est quand même d'être triste. Hein. Vous qui êtes bon, c'est bon, c'est bon. Et puis chaque c'est bon, c'est bon. Oui, puis il faut respecter. Franchement, c'est bon, c'est très très bon. Voilà. Telle qu'une petite shorba au goûter.